avant est tombé, la lune s'est éteinte, la voix s'est arrêtée. Le patriarche s'est réfugié derrière le rideau du théâtre de la vie. Avec la disparition du patriarche Papa Mbengonta et Magus, c'est le berger commun de la famille Tanger qui s'en va. C'est notre parapluie commun qu'un mauvais vent vient ainsi d'emporter. Oui, Papa Mbengon, au moment où tu nous quittes pour l'éternité, tous tes enfants, petits-enfants et arrière-petits-fils se rappelleront toujours de tes conseils, de ton sens élevé d'honnêteté, de ton refus d'intrigue, tout ceci ayant caractérisé toute sa vie durant.
Environ l'aîné vers 1912, l'aîné vers, c'est pas toujours exact, avoir 100 ans environ et avoir une telle tonus au point de parler aussi vivement, il faut le faire, il faut avoir la grâce de Dieu. Je te baptise au nom du Père. Au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur est la force constante de son amour qui nous porte et nous soutient. Que par son esprit, il nous affûte afin que, aptes, nous soyons toujours propres à répondre efficacement dans le champ de la mission. Qu'il nous bénisse, notre Père, et qu'il lui comble de sa présence en toutes choses, que sa vie soit paix de la conscience de Dieu au milieu de son peuple. Qu'il bénisse et qu'il garde. Amen. Devant Dieu et devant toute ta vie, Dieu, tu as été non seulement un exemple d'intégrité, de loyauté, mais aussi de ténacité. Car tu as su rester humble et adorable malgré la réussite
éclatante de tes enfants qui ont su préserver les valeurs moraux et la force de caractère que tu les as fournies. Je t'aime.
tsatsi o panga we pamenga makwe pamenga nzisi payamenga chayo o ho hendwa kapucha tsa pamenga makwe pamenga makwe payamenga chayo o ya shaka maluwa payamenga chayo La vie est un long voyage, dans le retour c'est l'amour. La vie est un long voyage, dans le retour c'est l'amour. Oh, yo lenga bantu tsena kumbe kwala u kutshunjule. La grande famille batangebe. La famille somjoku. Papa, au moment où tu nous quittes pour rejoindre ton aîné, tant que nous n'entendons pas partir à fleur de l'âge de ce monde imparfait, tu diras aussi bonjour à nos mamans, Simon Anne, Goule Emma et la tante Rose Mamou. S'il dit cela, mes amis, c'est parce qu'un grand matin, oui. Pendant qu'il se vantait que son papa avait déjà 105 ans, Madame Tamjo Annie lança un cri de détresse. Oh, papa n'est plus mon cher beau-père. D'aller un bon tagu ma pousse. Ce papa qui était né vers 1911 là à Bangoko, ya ya. Ce papa grand commerçant, grand boucher,
grand éleveur, grand amoureux, qui avait eu beaucoup de femmes et beaucoup d'enfants. Les enfants dynamiques, Le jour de sa naissance, on l'avait appelé Tagumakus. Il avait eu beaucoup d'enfants au corps. Aujourd'hui, il s'en est allé sans nous montrer le testament, sans même nous dire au revoir. Oh la mort. Nous nous posons la question de savoir ce que tu cherches chez nous. Toi, tu es quelque chose d'inévitable et tu n'as pitié de personne. L'amour, si nous te rencontrons un beau jour sur notre chemin, nous te rappellerons au moins 18 fois. Et si nous dansons aujourd'hui, c'est pour noyer les soucis. Oh, l'amour, qu'est-ce que tu veux de nous? Que veux-tu de nous? Oh, la famille Ngogo, de papa Tagumakus. Papa Kambola Poyola Nanga Kalawe, Uchep, 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 Uposa, Uposa, Uluxa, 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 oh, Ika, Chaba. Si vous nous entendez pleurer aujourd'hui, mes chers amis, c'est à cause de la mort qui nous a rendu visite. Avec la complicité d'une longue maladie, elle nous a arraché. Cher grand-père, tu es parti en nous laissant de bons conseils à nous des petits-enfants. De même que ton départ a été si soudain et douloureux, nous avons finalement accepté le fait que le Seigneur t'a récupéré dans son humble demeure. Nos mots ne peuvent pas exprimer notre douleur, mais nos larmes essayent en vain. Durant ton premier voyage sur terre, tu as été un homme juste et droit pour tous. Tu n'avais ni fait de discrimination entre tes enfants, tes protégés et tes bien-aimés. Ton entourage a toujours été propre comme tu l'étais de ta jeunesse jusqu'à ton dernier jour parmi nous. Que le Seigneur puisse t'accueillir dans